Bonsoir tout le monde, installez-vous, petite ambiance océanique au programme. Aujourd'hui, je vais vous faire voyager à travers les tréfonds marins. Nous allons certainement croiser des créatures venant d'un autre monde. Et nous allons certainement faire un petit tour du côté des abysses dans Far Sky. Eh ouais. Alors, rien à voir avec Far Cry, ne confondez pas. Comment on pourrait décrire Far Sky? Je dirais tout simplement que c'est entre un Minecraft et un Subnautica. Et ça donne quelque chose de toute beauté. Le jeu n'est pas tout neuf, mais j'avais envie de vous le faire découvrir tout simplement parce que je l'ai jamais fini. Alors, si vous aussi, vous ne connaissez pas Far Sky, eh ben, on va découvrir ça ensemble. Allez, c'est parti. On va se lancer dans une petite aventure survie. Aventurier, votre journée commence ici. Eh bien c'est parti. En fait c'est un jeu de survie qui se passe dans les fonds marins. Et moi je kiffe les jeux avec les fonds marins. Vous allez voir, on va voir ça tout de suite. Oula, ça commence. Mayday, mayday, mayday. Mon sous-marin s'est cassé en pièces. Ok. Donc, comme vous l'avez vu, eh ben notre petit bonhomme s'est écrasé avec son sous-marin. Nathan, are you right? Eh, je m'appelle Jonathan. C'est presque comme moi. Nathan, réponds-moi! Oui? Ou ça y est, je me réveille. On se réveille tranquillement dans les fonds marins. Et là, comme je vous ai dit, je vais bien. Ne t'inquiète pas, Madison. Dieu merci, j'étais effrayé. Je ne vais pas survivre longtemps sans oxygène. Ok. Il y a une base pas loin de ta position. Je t'envoie les coordonnées. Très bien. Donc, je vois la base qui est dans le radar en haut à droite. Elle est par ici. On va tout de suite y aller. Attendez, si c'est la base, je crois pas que c'est la base, non? C'est quoi ça? C'est ça, mais 5 énergie fer requiert. D'accord. Où est-ce qu'elle va être la base? Peut-être là-bas. Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu. En même temps, ça fait quand même très longtemps qu'il est sorti. Il a été abandonné, malheureusement. C'est pour ça qu'il a pas beaucoup fait parler de lui. C'est bien dommage. Attendez, on a un coffre ici. Yes, on va prendre tout ça. Tech Hall, c'est parti, fermé. Par contre, va falloir qu'on chope la base. Peut-être qu'elle est par ici. Vous voyez qu'en haut à droite, il y a un petit radar, tout simplement. Donc là, par exemple, il y a du minerai à ramasser. Hunger 0. Ah ouais, va falloir gérer la faim en plus. Bah oui, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu de survie. Par contre, où est-ce que la base va être? Elle est là-bas. Alors, vous pouvez constater qu'en bas, on a une barre d'oxygène, la barre bleue qui descend tout doucement. On a également une barre d'inventaire. Et en fait, à chaque fois que je saute, vous voyez qu'au milieu de l'écran, il y a un petit rond. À chaque fois que je refais un saut, eh ben y a une espèce de petit quart de cercle qui s'en va, tout simplement. Et c'est le nombre de fois où je peux sauter à chaque fois. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Par contre, il me reste plus que 30 secondes d'oxygène. On va tenter de se dépêcher. Voilà, franchement, je le trouve de toute beauté, ce jeu et tout. Même la bande-son du jeu, l'ambiance et tout, je le trouve vraiment magnifique. Voilà, on est arrivé à la base. Vas-y, remonte. Yes, impeccable. Je suis dans la base. Très bien. Je t'en supplie, ne sors pas. Are you gonna okay? Yes, je suis toujours une vraie quiche en anglais, hein. Je pense que je dois trouver des pièces du sous-marin pour réparer tout ça. Je t'envoie le bateau de secours à la surface. Essaye de regagner la surface. Très bien, nous avons affaire à une traduction complètement approximative, mais c'est à peu près ça. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé dans le coffre? On va prendre tout ça. Le drill extractor. Ah, ça, je m'en souviens, ça va nous servir justement à ramasser les ressources. Ça, c'est la base. Alors, l'extractor, ça va nous servir justement à prendre des ressources sans pour autant les miner. Donc ça va être cool. On a du poisson, de la ferraille et du charbon. On va tout prendre. Ah, regardez, là, avec ça, on va pouvoir commencer à y attaquer du lourd. Regardez, mais c'est juste magnifique. Il y a des dauphins et tout. Il y a bien le bruitage des dauphins. Moi, je trouve ça... Je le trouve vraiment beau, le jeu. Alors, je ne sais pas du tout combien de temps dure le jeu. On va démarrer une petite aventure survie, comme ça. Si vous êtes chaud toujours, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et puis, what? Des plantes? Harvest? Ah, des patates! Est-ce que je peux en replanter? Est-ce que j'ai moyen de replanter des patates, par exemple? Des glaces, d'accord. Donc ça, c'est des fenêtres, ça, c'est des murs en fenêtres. Hop, ouais, yes, ça marche. Impeccable, c'est génial. Donc, par exemple, j'ai 10 glaces de mur. Donc, je pourrais faire comme ça. Voilà, regardez. Hop, voilà, on va y voir un petit peu plus clair autour de la base. Donc ça, c'est plutôt cool. Yes, il m'en reste 2, 1, 2, c'est parfait. J'en ai plus. Donc comme ça, on voit vraiment ce qui se passe tout autour de la base. Ça, c'est cool. Et vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, le jeu, je le trouve super joli. C'est vrai qu'il est plutôt simpliste avec ses graphismes. Ça fait un peu penser à du Minecraft. Mais voilà, je trouve que ça a vraiment été travaillé. C'est super dommage que ça n'a pas été repris, que ça n'a pas été développé plus que ça. Donc là, ce qu'on va mettre... On va mettre un petit bout de poisson comme ça, certainement du charbon ici. Et yes, regardez ça. Ok, donc là, on a le poisson, on récupère. On va laisser le charbon à l'intérieur. Dans le coffre, on a tout pris. Ici, d'accord, ici, ça va être une table de craft. Par exemple, pour faire une main workshop, il nous faut 15 iron. Je les ai, je pourrais la faire.
pour faire une armoire. J'ai fait l'armoire là? J'ai fait l'armoire, ok d'accord. On va la prendre, on a fait une armoire, c'est plutôt cool. Ouais d'accord, c'est 15 iron à chaque fois. Donc, on va poser notre petite armoire tranquillement. Alors attends, du coup on va pouvoir poser une armoire, je pense, dans le coin, on va voir ici. Yes, ça c'est cool. Ah d'accord, en fait, vous voyez qu'il va falloir équiper notre bonhomme qui est ici pour qu'on puisse toujours descendre plus profond dans l'océan. Donc ça, ça va être cool. Par exemple, si je fais un casque, je peux descendre à moins 250 mètres. Si je fais la combinaison, je réduis le damage de 25%. Là, j'ai plus 3 minutes d'oxygène. Ok, d'accord. D'accord, d'accord, un petit sous-marin, des bandages. Oh yes, ça va être super cool quoi. Damage réduction 40%, moins 350 mètres. Et là, moins 350 mètres, moins 10% de réduction de damage. Ok, donc pour l'instant, on peut absolument rien faire. Donc on va aller ramasser des ressources tranquillement. Et j'ai deux extracteurs, je pense que je vais les poser pas loin. Je vais vraiment les poser pas loin de la base. On va en mettre peut-être un ici, voilà. Comme ça, normalement, il va me prendre des ressources. Alors attends, je vais voir ce qu'il me prend comme ressources. Juste de la roche. J'aurais peut-être pas dû le mettre là, l'extracteur, je sais pas. Attends, ça prend quoi? Ouais, ça prend de la roche. Bon, bah écoutez, on va le laisser là tranquillement. On va voir si on peut trouver d'autres ressources à côté. Par exemple, ça, c'est quoi comme ressource? Ça, je pense que ça doit être de l'iron. Attendez, je vais voir. Ouais, de l'iron, ok. Donc, du coup, on va mettre un extracteur juste ici. Voilà, yes, impeccable. Comme ça, on en a deux de chaque côté de la base. C'est plutôt cool. Et on va ramasser un petit peu de ferraille avec justement l'outil d'extraction, tranquillement. Alors, vous voyez que pour ramasser des ressources, et ben en fait, on se met juste devant le truc avec l'extracteur. Je pense que par la suite, on va pouvoir améliorer l'extracteur. Donc ça, ça va être cool. Enfin, je dis l'extracteur, en fait, c'est le drill. C'est ce qui permet de perforer justement les trucs. Voilà, j'en ai ramassé 40, c'est plutôt cool. On va aller un peu plus loin. Ici, il y a un truc. Ah, regardez. Il y a un truc dans mon radar, je vois en haut à droite là. On a un objectif, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est genre un trésor ou... Yes, ok, j'ai ramassé des pièces d'or. Ici ça va être quoi? Oh putain, attendez, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'y aller les gens. Va falloir qu'on remonte vite, 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 vite. Il nous reste à peine 30 secondes d'oxygène. Je vais regarder où est-ce qu'on en est de la fin. On en est à 46% pour la fin, c'est cool. Voilà, on va remonter ici, je pense qu'on a assez... Voilà, reprends l'oxygène. Mon oxygène est très bas. Ok, d'accord. Trouve une autre base. Non, retourne à la base pour reprendre ton oxygène. Ok, d'accord, ça j'avais compris. Donc, on va voir ce qui nous a ramassé l'extracteur, justement, là. 12 charbon, je prends. Yes, pas de problème. Là-bas, normalement, il nous a ramassé de la pierre. Je prends. Yes, de la pierre. Parfait. Voilà, on remonte. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire maintenant? Du coup... Je vais aller ici, yes. Alors, drill, extra ressources, ça du coup j'en ai déjà, ok. On va pouvoir se faire un casque, qui va nous permettre de descendre plus en profondeur. Voilà, on va le mettre là, ici c'est parfait. Et, ah ouais, ça va super vite, on peut pas faire grand chose. Ah, il nous faut de l'or, voyez, de l'or, genre ça, ça doit être du diamant ou je sais pas. D'accord, ce qu'on va faire, c'est que je vais manger un petit bout de poisson. Voilà, on va manger ça. Ah ouais, putain, ça nourrit pas grand-chose. Ouais, va vraiment falloir qu'on se mette bien. Je vais manger 2-3 patates. Voilà, bon, on va tout manger. Voilà, comme ça, c'est impeccable. Bon, on va voir ce qu'on peut faire là-dedans. Weapon, est-ce que je peux fabriquer ça? Yes, je prends ça. What? Merde, je l'ai effacé. Attends, quoique ça m'a peut-être pas... Non, ça m'a peut-être pas pris des ressources. Ok. Mais non, mais j'ai pris une table de workshop. Putain, mais je fais n'importe quoi. Je fais vraiment n'importe quoi. Ok. Là, cette fois-ci, c'est bon. Bah ouais, bah du coup, j'ai plus de charbon pour rien faire, mon vieux. Ça y est, j'ai tout pété, quoi. Donc, on va mettre ça à côté. Ici, on va pouvoir faire des armes. Donc là, il nous faut de la ferraille et tout, d'accord. Je vais retourner chercher un petit peu de ferraille juste dehors. On va aller voir ce que l'extracteur, il nous a pris. Ça, va falloir que j'en refasse. Va falloir qu'on en refasse pas mal, des trucs comme ça. Après, je sais pas si je peux les bouger pour les mettre ailleurs. Je suis pas sûr, en fait. Bon, je vais ramasser quelques brins d'iron, tranquillement. Après, je sais pas si je peux aller plus haut en surface ou quoi. Parce que le but en fait c'est de reconstruire le sous-marin qu'on a écrasé justement. De le reconstruire en trouvant des pièces et tout qui vont se trouver à certains mètres de profondeur en fait. Et rejoindre la surface. C'est le but du jeu hein. Après je sais pas combien de temps ça peut prendre, je sais pas si on va y arriver et tout. Je vous dis je connais pas vraiment le jeu en fait, pour pas dire pas du tout. Et je pense que plus on va descendre en profondeur, plus on va trouver de nouvelles bestioles en fait. Les créatures des fonds marins. Oula, qu'est-ce qu'il veut lui? I'm getting dark night incoming. Ah, la nuit tombe. La nuit il y a des prédateurs qui ont faim. D'accord.
Ah ouais, ok, d'accord. Ok, ok. Je viens de voir. Ah ouais, là va vraiment falloir qu'on se fasse genre des torches et tout, des trucs comme ça. Ok, là j'ai ramassé 75 de ferraille. D'accord, c'est par stack de 75. On va vite retourner à la base. Ah ouais, faut que je fasse gaffe aux prédateurs la nuit en plus. Oh, oui, 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 effectivement, oui. Il y a un requin marteau ici. Ouais, je sais pas s'il est vraiment... Oh putain, bah si, il est méchant, mon vieux. Je me barre. Putain, il a voulu m'attaquer, quoi. Wow. Alors le truc, c'est que là, si on meurt au bout d'un moment, je sais pas si on réapparaît, si on recommence toute la survie ou quoi. Je sais pas du tout. Il doit certainement y avoir des points de sauvegarde. Enfin, j'espère. J'ose espérer. Fourniture workshop, on va faire ça. Ok, on va poser ça tranquillement. Main workshop, on va en faire une également. Comme ça, on a fait tout le matos. Normalement, je pense que... Remove repair. Est-ce que si je fais ça... C'était pas du tout ce que je voulais faire. Il aurait fallu que j'agrandisse la base. Alors attends, ça par exemple c'est plus pour poser du sol. Si je fais ça. Ouais, ok, d'accord, ça c'est pour poser du sol. Alors attends, je vais voir si je peux faire quelque chose avec ça. Remove. Mais non. Mais je suis en train de faire des murs partout. Mais c'est pas ce que je voulais faire. Bon écoutez, c'est pas grave. On va y arriver tranquillement. Voilà, je vais mettre ça par ici. Ça, on va mettre ça quelque part par là. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ah ok, d'accord, je peux faire par exemple des coffres. Putain, franchement on peut faire encore pas mal de trucs hein. Par ici il y a quoi faire. Ah yes, je vais pouvoir faire des extracteurs. Ouais, il me faut de l'or. Des échelles et tout, yes, ok. C'est pas mal. En armes, qu'est-ce qu'on peut faire. Yes, ça, on va se le faire direct. Il va nous falloir de l'or obligé. Ah c'est con quoi, faudrait que j'attende que la nuit passe. Attendez, ça fait jour là, non? Non, ça fait pas jour. Ça fait encore nuit. Quoique ça commence à faire jour, je pense. Allez, vas-y, je tente comme ça. J'y vais. On va y aller comme ça. On va tenter d'aller à l'objectif. Attends. C'est bizarre, j'entends des prédateurs là, j'ai l'impression. Là, je sais pas, je vois des prédateurs partout, moi. C'est un truc de fou. Il y a un objectif qui est juste ici. On va tenter d'y aller tranquillement. Ah, je commence à avoir très faim là. La faim 60%. Ok. Yes, regardez. Ici, c'est un objectif. Ok, on a trouvé une pièce du sous-marin. Je pense que du coup, il va y avoir plusieurs pièces à trouver. Alors, si on pouvait trouver autre chose que de l'iron aussi comme ressource, ce serait bien cool. Est-ce qu'on peut pêcher, là? Ah, putain, mais non, en fait, j'ai pas d'armes. C'est une lance que j'ai, mais il me faut un harpon, du coup. D'accord, en fait, on n'a pas d'armes pour pêcher, pour le moment. Regardez, il y a encore un objectif ici. Oh, putain, par contre, lui. Encore une pièce du sous-marin. Donc 2 pièces sur 9, c'est plutôt cool. Ça c'est quoi comme ressource? De la pierre tout simplement. Oh putain! Merde! Je retourne à la base. Je retourne à la base, j'ai faim, je sais. Pourquoi tu ne tues pas des poissons? Bah parce qu'il y a l'autre qui m'attaque, mon vieux, tout simplement. Voilà, tout simplement. J'espère qu'on va pas perdre ici. Parce que là, j'ai plus d'oxygène. L'autre qui m'attaque et tout, ça sent la faim. Ça sent la fin. Vas-y, vas-y, remonte. Remonte. On va attendre que la journée passe tranquille. Ouh, c'est bon. Il faut que je mange quelque chose. Oui, normalement, j'ai planté des patates. Ça devrait le faire. Est-ce que je peux les récupérer? Ça n'a pas encore poussé? Ah bah non, mais attends, c'est que... Ah non. Non, c'est qu'ils n'ont pas encore poussé, tout simplement. Donc, est-ce que je peux faire plutôt un couteau, du coup? Ouais, on va faire un couteau. Voilà, on va tenter d'aller tuer 2-3 poissons. Fais vite fait. Voilà, yes. Allez, vas-y, viens là, toi. Voilà. Par contre, le sang, ça va attirer le requin, là. Non? Je me casse. Putain, il n'y a plus un seul poisson, quoi. Bon, on va aller manger. Voilà, normalement, je crois que j'ai du charbon. Yes. Voilà, yes, c'est bon. Là, on s'est mis pas trop mal. On s'est mis bien. Oh, ça commence à refaire jour, là. Là, ça commence à faire jour, c'est plutôt cool. Yes, c'est bon. Vas-y, donne-moi ça. Voilà, yes. Allez, mange. Voilà, il m'en faut encore. Il y en a pas assez. Ouh, ça, à mon avis, ça se mange. Des petits machins comme ça, là. Voilà, ça se mange. Yes. Voilà. Fais attention, Nathan. La pression est vraiment haute par là. Je vais me préparer. Oui, forcément, plus on va en profondeur, plus la pression. Donc, il me faut du stuff un peu plus important, quoi. Des pièces. Par contre, ça va me servir à quoi, les pièces comme ça? J'en ai absolument aucune idée. Il y a encore du poisson. Ici. Yes. Ouh, ça c'est quoi? Ouh, ça c'est de l'or. Ça c'est de l'or. Non? Yes, c'est de l'or. On s'est mis bien.
Ça, c'est parfait. Je vais pouvoir me faire du nouveau stuff. Ça, c'est quoi? Ça doit être de la ferraille, je pense. Attends, je vais voir. Putain, j'ai plus d'oxygène. Je retourne à la base. Elle est par là. Elle est là, elle est là. Yes, c'est bon. On s'est mis bien. Putain, il y a le requin qui m'attaque. Il y a le requin qui m'attaque. Je me casse. Voilà. Yes, c'est bon. Impeccable. On va mettre ça juste ici. Voilà, tranquillement. En fait, c'est pas si évident que ça à gérer. Quand on regarde bien, faut gérer la faim, faut gérer l'oxygène et tout, faut aller chasser. Qu'est-ce que je peux faire de beau? Ouh, attends. Spear gun, vas-y, je pense que je vais me faire ça, ouais. Oh, excellent! Ah ouais, ça c'est le harpon. Merde, j'ai plus de charbon. Où est-ce que je vais trouver du charbon, moi? Il y a du charbon là-bas, je le vois sur le radar. Je vais essayer d'y aller tranquillement. Voilà, par là, il y a du charbon. Putain, je suis parti vachement loin là, par contre, hein. Il me faut absolument du charbon, parce que sinon, on peut pas faire cuire le poisson et tout. Voilà, on va ramasser ça tranquillement. Laisse tomber, quoi. Je suis obligé de me déplacer à 10 km de la base pour aller chercher un simple bout de charbon. C'est un truc de fou. Vas-y, vas-y, retourne à la base. Retourne, retourne. J'ai déjà presque plus d'oxygène. Ça va super vite. J'ai presque plus d'oxygène et j'ai déjà faim, quoi. C'est vraiment la boucle sans fin. C'est un truc de fou. J'ai ramené du charbon. Vas-y, on va pouvoir faire cuire du poisson tranquillement. Voilà, impeccable. Bon, écoutez, les gens, vous savez quoi? On va se laisser là pour cette vidéo sur Far Sky. En tout cas, le jeu, il est vraiment super cool. Moi, j'aime bien tout ce qui est fond marin et tout. En plus, ça combine les fonds marins, le jeu de survie. C'est tout ce que j'aime. J'espère que vous allez kiffer avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Et ciao tout le monde! Au revoir!